d'autres musiciens, dont Lolo, Christian, Christophe. Une polka. Ouais, une polka américaine. En 1994, on a fait notre premier bal ici. Le 9 avril 1994. Et pendant quelques temps, on a commencé nos bals systématiquement avec une polka américaine. Polka! Alors on va aller faire un petit tour du côté de la Bretagne avec une petite gavotte. Celle qui est en deux tonalités. Allez les gars, est-ce qu'on arrête plus la gavotte de Bretagne. Allez, on est mineur. À la gavotte, on se tient en chaîne et c'est le bras droit qui passe au-dessus du bras gauche. Le bras droit passe au-dessus du bras gauche de la personne qui est suivante. À ce propos, il y aura un stage de danse de Bretagne le samedi 1er décembre avec deux animateurs bretons à la Gigauderie à Poitiers et le bal du soir sera animé par nous-mêmes, le Père Cordanche, plus Gwen Kivigeur.
Allez, une petite mazurka. Thank you.
Un tire-bouchon. Ah, le tire-bouchon. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent du tire-bouchon? Parce qu'on va vous l'expliquer à nouveau. Tire-bouchon, vous mettez 7 face à 7. Sur deux lignes, face 7, face à 7. Les filles d'un côté, les gars de l'autre. Pour se repérer, vous mettez les filles d'un côté, les gars de l'autre. Et vous faites des lignes. Une ligne de 7 gars face à une ligne de 7 filles. C'est le tire-bouchon pour ceux qui n'auraient pas entendu. Je vais essayer. Non, c'est pas les quatre coins, c'est pas la marche des vieux nœuds pour ceux qui auraient confondu. Non, non, c'est autre chose. Bien, mettez-vous là-bas au fond, là. Mettez-vous, ou alors. Mais c'est pas grave, justement, au contraire. Alors, le but, pour ceux qui s'en souviendraient pas, les tire-bouchons, parce que ça fait quand même longtemps que ça a plus court dans nos régions poitrines. Le gars va chercher la fille. Hein, vous tournez sur le rythme, évidemment. Et puis après, la fille va tourner avec, va faire un petit tour avec chaque gars. C'est un pas sauté, un pas de polka sauté. Hein, donc voilà, et donc, voilà, c'est bon, là, il y en a qui s'en souviennent très très bien, vous les suivez. Donc le gars accompagne la fille qui va aller tourner avec chaque gars de la liste, de la ligne plutôt. Hein? Et puis à la fin de la ligne de gars, et ben, la fille va accompagner le gars qui va aller tourner, lui, avec chaque fille de la ligne, de la ligne des filles. Christelle. Et à la fin de la ligne des filles pour le gars, les deux font un petit tour ensemble et vont chacun de leur côté aller tourner avec les gars et les filles de chaque ligne. Et puis au bout du troisième, hop, ceux qui sont au début commencent. Hein? Attends, 21, 01, 02. Bon, Corinne, tu te souviens du tire-bouchon? Daniel, tu te souviens du tire-bouchon? Alors, pour vous rassurer, on va commencer à jouer doucement. Mais tout doucement, hein? Non, c'est d'abord les filles qui descendent avec les gars. Hein? Pour que tout le monde soit d'accord, c'est les filles qui commencent à descendre avec les gars. D'accord? Hein? Voilà. Thank you.
place pour un lanterdo. Non, non, lanterdo, c'est pas avec les petits doigts, c'est toujours le bras par-dessus, le bras droit par-dessus, le bras gauche. Et c'est 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Trois, quatre.
place maintenant à un invité exceptionnel, Fred Bougouin à la harpe. Et après Fred, ça sera le père Cordange des années 2000. Donc à tout de suite. Alors Fred, c'est le moment, faut venir, faut y aller. Hop, on enchaîne. So. Finis ton café, c'est le moment. Thank you.